Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau walkthrough. Donc comme vous le voyez et comme je vous l'avais dit sur Resident Evil 3 Nemesis. Donc comme d'habitude, je vous fais une petite présentation et après on va démarrer. Donc Resident Evil 3 Nemesis, donc il est sorti en France en février 2000. C'est toujours dans le genre survival horror, aventure, enfin aventure horreur, j'aurais plus tendance à dire. Interdit aux moins de 16 ans. Ah, non, 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 tu me lances pas ça. Interdit aux moins de 16 ans et éditeur, donc Eidos Interactive. C'est pas Virgin cette fois. Parce que Virgin c'était pour Resident Evil 2. Voilà, je vais réussir à passer, décidément. On va appuyer sur les curseurs, comme ça va me faire chier. Et pour finir, évidemment, bah, c'est Capcom. Hein, pas besoin de regarder l'écran pour ça. On se doute bien que c'est Capcom. donc avant de démarrer, je sais plus si je vous l'avais dit en vidéo annonce, quand je vous avais annoncé que je ferais Outbreak File 2 et Resident Evil 3, je sais plus si à ce moment-là je vous avais dit comment je ferais Resident Evil 3. Mais au cas où, si je l'ai pas dit, de toute façon je le dis maintenant. À la base, je voulais le faire, c'était prévu comme ça déjà depuis plus d'un an, parce que j'avais même joué l'année dernière, je me rappelle, pendant les grandes vacances. Et normalement je devais vous le faire en mode difficile, en tuant normalement tout le temps le Némésis quand on a l'occasion de le faire, on va dire. Et enfin, tuant, comme vous savez, c'est pas vraiment le mot, mais bon, vous m'avez compris. Sauf que le souci, c'est qu'en fait, en difficile, c'est un peu compliqué, vous doutez bien. Et en fait, quand je l'avais fait l'année dernière, j'étais mort une vingtaine de fois à peu près, ne serait-ce qu'au premier combat. Donc vous imaginez bien que ça fait quand même pas mal, mais bon, pourquoi pas. Hier, j'ai retesté pour voir comme ça si ça allait le faire. Je suis mort 3-4 fois, donc c'était déjà mieux. Et le problème, c'est que là, commenter en même temps, honnêtement, je vois pas trop le... Enfin, je pense que je vais trop galérer. Le premier combat, ça ira, mais les autres, ça sera une galère pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en mode facile, puisque c'est ça un peu le problème de jeu. C'est quand on fait une nouvelle partie, putain, évidemment, ça chure. J'allais appuyer sur une nouvelle partie, le jeu me troll en mettant ça, quoi. Allez, c'est bon, je sais... Vite. On va y arriver. Je suis désolé. Quand tu veux, voilà. Donc, nouvelle partie. Bim. Ça me lance une démo, merci. Donc comme vous voyez, dans le mode nouvelle partie, vous avez deux modes de difficulté. Mais le problème, c'est que vous avez un mode difficile. Et sinon, un mode facile. Vous n'avez pas de mode normal dans ce jeu. Et c'est un peu le premier défaut du jeu, je dirais. Enfin, en tout cas, à mes yeux, c'est un défaut. Puisque dans le mode difficile, bah vous démarrez juste avec un pistolet, et puis c'est tout, je crois. Enfin, les guides de jeu et un truc pour fabriquer des munitions. Et le mode facile, en fait, vous démarrez avec de quoi faire la Troisième Guerre mondiale, en fait. Tout simplement, c'est que vous êtes surarmé. Donc c'est un peu n'importe quoi. Vous allez me dire, bah écoute, t'es pas obligé de faire ça avec les armes qu'on te donne. Je suis carrément d'accord avec vous, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Mais le problème, c'est que quand on propose un jeu comme ça, vous avez un mode soit très difficile à mes yeux, pour un mec qui débute, soit un mode facile complètement cheaté, c'est un peu pourri quoi. J'aurais bien aimé un mode milieu qui fait tout simplement office de mode normal quoi. Mais bon, c'est pas disponible. Donc évidemment, vous doutez bien, je le ferai en mode facile. Donc bah, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, une dernière chose quand même important, je vous avais dit que je remplacerais les cinématiques en images de synthèse. Le problème, c'est que je suis pas contre, à la base c'est ce que je voulais faire, je les ai toujours, hein, y a pas de souci de ce côté-là. Mais en fait, elles sont pas aussi bonne qualité que Resident Evil 2. Resident Evil 2, c'était quasiment de la HD. Sauf que là, Resident Evil 3 Nemesis, la qualité est plus nette, mais c'est pixelisé en fait. En gros, c'est comme c'était la version PS1, mais qui n'a pas été compressée pour être vue sur PS1. Et du coup, la qualité est vraiment pas meilleure que... Enfin, une fois qu'on l'a encodé sur Sony Vegas, c'est ce que j'ai essayé de faire en mettant en plein écran.
et ben la différence n'est pas flagrante. Donc finalement, je vais laisser les cinématiques d'origine, quoi. En fait, les cinématiques d'origine sont pas si moches que ça. Elles sont un peu plus belles que Resident Evil 2 original, quoi. Donc voilà. Donc, je tenais à vous le dire au cas où, donc soyez pas étonnés s'il n'y a pas mes propres sous-titres et tout. Donc voilà. Donc allons-y. Resident Evil. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. Only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. Allons-y, c'est parti. Donc on est direct dans l'action, hein, là, je crois que le mot est bien choisi, hein, même la vidéo d'introduction nous met vraiment dans l'ambiance de ce Resident Evil. Il y a du zombie en masse, quoi. C'est le vrai bordel. C'est pas autant que Resident Evil 2. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous aurez remarqué par rapport à Resident Evil 1 et 2, c'est qu'en lançant la partie, on ne choisit pas de personnage, puisque là, il y a un seul scénario et unique, et... Ce scénario se déroule avec Jill Valentine, donc membre des Stars, évidemment, comme vous le savez, et puis voilà, je crois que je voulais dire un autre truc, mais maintenant je sais plus, donc c'est pas grave. Donc on va se débarrasser de ça vite fait, donc c'est les manuels de jeu. Alors je vais vous les lire quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été rajoutées dans ce Resident Evil, et qui sont quand même importantes à mes yeux à dire, en tout cas. Parce que c'est quand même les grosses nouveautés de ce Resident Evil. C'est ce qui fait que Resident Evil 3 a quelques innovations, quoi, je veux dire. Alors, donc vous obtenez divers effets en tirant sur des objets tels que les bidons ou les bombes. Donc ça c'est intéressant puisque dans Resident Evil 1 et 2, on n'avait pas des bidons explosifs à faire péter pour tuer les zombies par exemple. Enfin en tout cas dans Resident Evil 2 je crois pas. C'est de réfléchir, on ne sait jamais parce que je peux dire des boulettes des fois, mais dans mes souvenirs oui, il n'y en a pas en tête. Enfin il y en a un. Un endroit précis, c'est contre le crocodile géant, éventuellement la bonbonne de gaz, mais mis à part ça, normalement je crois qu'il n'y en a pas d'autres.
Donc voilà, on va dire que c'est une grosse nouveauté. Enfin, en tout cas, il y en aura plus souvent dans ce RE là, au cas où. Ensuite, le fameux, enfin, le demi-tour rapide, comme vous voyez. Donc faire des demi-tours à 180 degrés, enfin. Puisque avant, il n'y en avait pas. Et c'est ce qui manquait un petit peu, hein, c'était un peu le défaut du gameplay de base. La fuite de secours, donc si vous êtes pris au piège par des ennemis, vous pouvez leur échapper en vous débattant. Donc ça, c'est comme avant, ça change pas. Faut juste spammer sur toutes les touches. Donc là, c'est ce qui est marrant, c'est qu'ils disent appuyer rapidement sur la touche directionnelle. Les touches action, annuler, courir, R1, R2 et L1. En gros, on appuie sur tous les boutons de la manette, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc ça sera beaucoup de bourrinage de manette de ce côté-là. Et les esquives d'urgence, qui est vraiment l'une des grosses nouveautés aussi de Resident Evil 3. On peut esquiver les ennemis en appuyant soit sur la touche R1 ou R2, ou quand on est en train de viser un ennemi, on appuie sur la touche action. Donc la touche tirer, en fait. C'est la même touche. Monter et descendre d'un élément, ça c'est pas nouveau. La carte, c'est pas nouveau non plus. Décision en pleine action. Ah oui, ça c'est quelque chose d'original aussi qu'il y aura seulement dans Resident Evil 3. À certains moments cruciaux, du jeu, l'écran passe en noir et blanc. On vous propose alors deux possibilités. Faites votre choix à l'aide de la touche directionnelle, appuyez machin. Donc les choix en fait auront une influence sur les minutes suivantes de jeu, on va dire. Et sauter des scènes, bah ça on s'en fout, parce qu'évidemment je vous montrerai toutes les cinématiques, hein, donc je vais éviter de vous sauter des scènes. Hop, donc par contre, il faudra que je m'habitue au gameplay, parce que le problème, c'est comme l'a fait Resident Evil 2 par rapport au 1, ils ont bougé des touches pour au niveau du gameplay, je sais pas pourquoi. Dans le 1 par exemple, pour accéder au menu, enfin à l'inventaire, c'était Start. Dans Resident Evil 2, si je dis pas de conneries, c'était Triangle. Et là, dans Resident Evil 3, ils ont décidé de mettre ça sur Rond. Donc à chaque fois, il faut se réadapter à tout ça, c'est un peu la merde, quoi. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça, mais bon, on va pas chercher plus loin. Et l'autre manuel, très intéressant, instructions pour créer des balles. Voici comment utiliser la poudre et le kit munitions. Donc ça, c'est notre originalité de Resident Evil 3. Qui est, à mon goût, pas mauvaise en soi, parce que ça permet de gérer un peu les munitions comme on veut. On peut en créer un petit peu de toutes sortes. Mais y en a beaucoup qui justifiaient ça comme c'était une grosse innovation du 3. C'est pas mauvais dans l'esprit, mais je trouve que ramasser des balles de flingue ou de fusée à pompe ou de quoi que ce soit, c'était suffisant. On n'était pas obligé de créer ces munitions, on s'en passait très bien, quoi. Donc c'est une nouveauté, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi, en soi. Donc pour créer différentes munitions, vous devez utiliser le kit munitions et la poudre. En fait, c'est juste en associant les deux. Donc c'est un objet nécessaire pour créer différents types de munitions. En associant la poudre avec le kit de munitions, vous obtenez divers types de munitions. Donc mélanger des matériaux pour créer différents types de munitions. Il existe trois poudres fondamentales. Donc la poudre A, donc, qui est de couleur rouge, si je dis pas de conneries. La poudre B, c'est la couleur jaune. Et la C, c'est la couleur bleu clair, on va dire. La poudre C provient du mélange des poudres A et B. Donc mélanger les poudres, vous pouvez créer de nombreuses sortes de munitions en mélangeant plusieurs poudres. Il existe en tout 13 poudres différentes. Donc là, on va avoir les recettes, donc c'est quand même assez intéressant. Donc les exemples de poudres, donc poudre A, donc c'est des balles de pistolet, la poudre B, des cartouches, des fusils, la poudre C, les grenades, A et C, grenades incendiaires, B et C, grenades acides, C et C, grenades azote, C, balles de magnum. Donc ça, c'est les plus intéressantes. Mais vous doutez bien que pour fabriquer des poudres C, même si on en trouve quand même dans le décor, si je me souviens bien, la plupart du temps, il faudra les fabriquer. Et pour les fabriquer, il faut du A et du B. Vous doutez bien que des fois, il faudra faire des concessions. Soit on veut beaucoup de munitions, et pas des munitions forcément puissantes, ou soit on veut des grosses munitions puissantes, mais on va être en galère de balles, donc c'est au choix. Mais normalement, pour le mode facile, ça devrait aller, quoi, de ce côté-là. Si vous associez un certain type de poudre avec des grenades, vous obtenez des grenades spéciales. Donc ça, on l'a compris. Si vous créez constamment le même type de munitions, vous améliorez vos compétences et vous pouvez alors créer des munitions plus puissantes. Donc ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Et il faut savoir, pour le débloquer plus vite, en fait, il faut éviter de combiner les poudres entre elles. Par exemple, si vous utilisez de la poudre A pour créer des balles de pistolet, et ben faut mieux créer poudre par poudre, même si vous gagnez moins de munitions, parce que comme ça vous allez XP plus rapidement cette compétence, entre guillemets,
et comme ça vous pourrez accéder plus rapidement aux balles améliorées. Donc c'est un truc à savoir. Mais bon, je pense que je préférais avoir plus de balles. Parce que finalement, ça revient au même. Okay, c'est bon, c'est pas... C'est kiff-kiff, honnêtement. Donc vous voyez, déjà, on a un fusil d'assaut avec 100%. Normalement, on démarre juste avec un flingue. D'ailleurs, on a aussi 3 sprays. Donc ça, c'est pareil, petite innovation. On a des trousses pour mettre des sprays à l'intérieur. Ce qu'il n'y avait pas avant, évidemment. Parce qu'avant, c'était un emplacement égal un spray. Voilà. Donc on esquive le petit bison. Et on passe à la suite. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow. I'm still alive. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Voilà, donc là on se retrouve dans un entrepôt donc avec l'un des civils. Donc le civil s'appelle Dario Rosso, je crois, il me semble, de nom. Et monsieur a décidé de s'enfermer dans une... ouais, dans un conteneur, une remorque de camion, quoi. Voilà, donc il est pas motivé pour bouger. Donc finalement, on n'est pas les seuls, enfin, on n'est pas la seule survivante pour l'instant, du moins, parce que bon, vous doutez bien qu'il va se passer des drames. Donc mis à part donc les petites innovations de gameplay qu'on a vues là et peut-être quelques autres. Non, normalement, je crois qu'on a à peu près tout vu. Hein. Y a aussi une innovation au niveau de la technique, évidemment, au niveau des graphismes. Déjà, les décors précalculés sont déjà un peu plus poussés, je dirais. Ah, c'est marrant, là, il n'y a rien à trouver. Alors qu'en mode difficile, il y a des balles de flingue. Pourquoi pas. Ouais. Je disais quoi, déjà? Ah oui, je parlais des graphismes, parce que si je commence à oublier, ça va pas le faire. Donc au niveau, oui, des décors précalculés, ils sont un peu plus détaillés, un peu plus poussés, on va dire. Bon, forcément, la technologie évolue à chaque fois. Mais aussi au niveau des modèles 3D, puisque là, on a un gros plan quand même, enfin, plan assez intéressant, où on peut voir Jill, et Jill est beaucoup mieux modélisée au niveau de ses mains, déjà. C'est beaucoup plus réaliste. Même au niveau de ses formes, si vous regardez au niveau des cuisses, par exemple, ça reste des polygones, mais on voit quasiment la courbe des cuisses, quoi. Alors que pour les voir sur Claire Redfield, par exemple, dans Resident Evil 2, enfin, c'est impossible, quoi. Enfin, elle n'était pas aussi détaillée que ça. Donc on voit quand même qu'il y a un effort dans la technique, au niveau des textures aussi, si vous regardez les bottes, on voit la sangle avec la petite boucle, au niveau de son espèce de pull là, qui est autour de sa ceinture, on voit que c'est quand même assez détaillé. Enfin, on voit qu'ils ont quand même bien poussé, quoi. On voit que c'est la fin de la génération PlayStation, qui maîtrise le matériel, et se permet de pousser un peu plus les graphismes. Donc c'est plutôt une bonne chose, quoi. Donc vous demandez sûrement pourquoi Jill est habillée comme ça. Alors c'est beaucoup de gens se sont posé la question, et je sais plus sur quoi j'avais vu, mais il y avait justement l'un des développeurs du jeu qui avait pris la parole pour expliquer pourquoi elle était habillée comme ça. Parce que beaucoup se demandaient pourquoi elle était pas habillée en flic et tout.
Et tout simplement, ce que moi je vous redis ce que j'ai vu, hein, je n'invente pas ça moi-même, mais tout simplement, ils ont expliqué le fait qu'elle était habillée en civil, tout simplement parce qu'elle n'était pas dans le commissariat déjà, elle n'était pas en opération. Et en plus, apparemment, au moment où ça se passe aux États-Unis, enfin, dans la région de Raccoon City, en tout cas, au moment où ça se passe en septembre, il fait assez chaud, donc c'est normal d'être habillée de manière légère. Et puis, vu que c'est une femme, forcément, elle va s'habiller un peu plus sexy, hein, logique. Et voilà, enfin, en tout cas, c'était ce qu'ils avaient justifié ça de cette manière. Donc, c'est quand même assez intéressant à savoir, parce que bon, sa manière de s'habiller est quand même. Très différent de ce qu'on a vu dans RE1, donc ça c'est marrant quoi. Donc on entend la première vraie musique du jeu, on va dire, donc la musique de la salle de sauvegarde, qui est très très agréable à entendre. Resident Evil 3 a vraiment de très bonnes musiques aussi également. Je préfère, enfin j'ai quand même un coup de cœur pour celle du 2 évidemment, mais ça serait mentir de dire que Resident Evil 3 a des mauvaises musiques, hein. Ça serait vraiment pas vrai. Parce qu'il a de très belles musiques. Hein. Celle de la sauvegarde, je l'écoute régulièrement sur YouTube pour vous dire. Donc, je pense que ça prouve suffisamment que je l'aime bien, quoi. En sachant qu'aussi que il y a d'autres musiques qui sont très intéressantes dans le jeu, notamment la musique de fin, que j'aime beaucoup également. Vous aurez l'occasion de la voir bah, quand j'aurai terminé le jeu. Mais il y a quelques musiques comme ça qui sont pas mal. Il y en a d'autres qui sont pas mauvaises pour autant, mais je veux dire. On a quelques-unes qui sortent vraiment du lot, qui sont vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, on va voir notre petit coffre. Et là, c'est ça le problème. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en mode facile, on a un arsenal colossal, quoi, je dirais. Déjà, on a les rubans encreurs à l'infini. Bon, ça encore, c'est pas un problème, parce que même en difficile, les rubans, on les chope par 3. Donc, ça aurait pas été un problème pour moi. Hein. J'ai jamais eu de problème pour sauvegarder. Dans les anciens héros en tout cas, donc comme vous savez c'est pas un souci. Ce qui est encore plus chaud de voir c'est le magnum, ainsi que 24 balles avec, en tout ça fait quand même 30 balles de magnum. Dès le début du jeu je trouve que c'est n'importe quoi, mais c'est pas fini puisqu'on a un fusil à pompe avec plein de cartouches de fusil. On a le flingue, bon le flingue c'est normal, bon, on a pas mal de balles de pistolet, ce qui est un peu dommage, mais bon. On va dire que c'est un peu plus normal de voir un flingue avec des balles. Et là, les balles F1, en fait, c'est des balles pour le fusil d'assaut. Donc on a deux chargeurs de 100%. En gros, on a 300% de munitions de fusil d'assaut. Et évidemment, un couteau, mais le couteau, là aussi, en mode difficile. En fait, quand on arrive ici en mode difficile, si je dis pas de bêtises, normalement, on a juste le couteau dans la malle. Ce qui fait pas beaucoup par rapport à ce qu'on a là. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est que je vais tout simplement tout... malheureusement, on peut pas jeter, hein, jetez bien. Et ce que je vais faire pour pas que ça me fasse chier avec ce que je récupérerai plus tard dans le jeu, puisque je veux pas jouer avec ça. En fait, je fais comme si je m'inventais mon propre mode normal, en gros. C'est on démarre avec un flingue et on n'a pas toutes ces conneries, quoi. Tac, tac. Merde. Si j'appuie sur le mauvais bouton, ça va pas aller. Et on va déposer tout ça en bas. Comme ça, je vais pas mélanger avec ce que je récupérerai plus tard. Donc ce qui est bien aussi en petite amélioration, vous voyez sur la barre de défilement quand on descend dans le coffre, ici là vous voyez les petites flèches là sur le côté, vous voyez qu'il y a des petites barres, là il y a une barre rouge, une barre verte au-dessus, une barre rouge là et une barre bleue. En fait c'est les styles d'objets qu'il y a et à tels endroits où ils sont dans le coffre. Donc ça c'est une petite innovation aussi qui est sympa si vous voulez trouver plus rapidement vos objets. Intéressant. En gros, tout ce qui est rouge, c'est tout ce qui est armes. Bleu, c'est sauvegarde. Peut-être objet de quête aussi, je sais plus. Vert, c'est tout ce qui est soin. Et je crois que c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autres couleurs, il me semble. Donc c'est, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Ça permet de savoir un petit peu ce qu'on a dans l'inventaire, quoi, en gros. Donc moi, je pose tout ça, parce que les trois sprays qu'on a de base, c'est un peu cheaté, quand même, hein. Un seul, j'aurais rien dit, mais bon, 3. Bon, après, si j'en ai vraiment besoin, j'en ferai l'usage des sprays, mais les armes, normalement, je vais essayer de pas en faire usage. Parce qu'on peut le faire en mode difficile sans avoir tout ça, donc en mode... Par contre, j'espère qu'il y aura pas de différence de ce côté-là au niveau des armes. Normalement, je crois qu'on les récupère quand même. Enfin, j'espère.
Dans mes souvenirs, oui, normalement, on a quand même le Magnum et le fusil à pompe, je crois. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que si on n'a pas ça, ça va me forcer à jouer avec, ça sera un peu chiant. Mais bon, je me rappelle à peu près au moment où on les récupère, donc ça va. Enfin, mis à part le Magnum, je me rappelle plus, mais bon. Mis à part ça, ça va, quoi. Donc voilà, donc on va ranger un petit peu tout ça. Ça, on va poser. Et les balles, on les pose aussi, puisque là, on a déjà 250 balles, donc... ça sert à rien d'en avoir autant. Alors c'est pareil, je crois qu'en mode difficile, si je dis pas de conneries, dans l'inventaire on a que 8 cases. Mais ça, c'est à vérifier, parce que là je dis ça au fini. Mais il me semble qu'on n'avait pas les 10 cases d'un coup. Donc c'est possible que je me trompe, mais je crois que on n'avait pas les 10 d'un coup. Mais bon. Voilà. Donc c'est tout. Donc on a récupéré des clés quand même. Faut quand même que je les examine. Donc, comme vous voyez, tout ce qui est objet, c'est comme dans Resident Evil 2, c'est des images. C'est pas en 3D comme le premier Resident Evil, ce qui est dommage, encore une fois. Mais bon. Donc, une petite clé avec une étiquette sur laquelle est écrit porte-fond. Voilà. Donc, c'est la porte de l'entrepôt. Et on va pouvoir l'ouvrir, tout simplement. Donc, au niveau du scénario, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. On est ici parce qu'on habite là et que, en gros, c'est la grosse merde à Raccoon City, quoi. On n'en sait pas vraiment plus pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est juste se barrer d'ici en vie, quoi. C'est notre objectif de base. Donc, on va utiliser la clé ici. Donc, maintenant, j'ai plus besoin d'aller dans le menu et faire utiliser comme c'était le cas dans Outbreak. Ce qui est plutôt plaisant, je dirais. Parce que bon, c'est vrai que dans Outbreak, c'était vraiment chiant de ce côté-là, déjà c'est en temps réel, et en plus on devait aller dans le menu faire utiliser, quoi. C'était vraiment pénible. Donc il y a beaucoup de... on va traverser beaucoup de ruelles, en fait, de Raccoon City, par rapport à Resident Evil 2, où on en voyait juste un petit peu au début, avant d'arriver au commissariat, que là on en verra un peu plus, quoi. Ouais, donc c'est bon, il est équipé. Je regarde juste le temps où j'en suis. Ah oui, quand même, putain, ça passe super vite, quoi. J'ai rien fait, limite. Alors, il y a deux chemins possibles, ici. Mais, bah, c'est juste histoire de vous montrer les décors, en fait. Hop là. Donc, vous avez vu, en arrière-plan, il y a un des zombies qui s'est réveillé. Et ici, on voit un bidon rouge, là. Celui qui est devant moi. Et celui-ci, on peut le faire péter, par exemple. Mais bon, là, il y a qu'un zombie, donc c'est pas vraiment intéressant. Mais bon, en tout cas, on sait qu'on peut le faire. Donc là, il y a déjà un peu plus de zombies. Ah, ça, j'aurais pas cru qu'il m'aurait chopé, celui-là. Et donc, si on avait pris l'autre porte, on arrivait par là, en fait. Ça emmène au même endroit, hein, si vous regardez la carte. Attendez, non. Oui, mais ça emmène quand même au même endroit, en fait. Parce que nous, on arrive de là. Là, enfin, au croisement des traits jaunes là. Moi j'ai fait ça, 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 et je suis arrivé là-bas. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus on voit notre flèche, enfin on voit vraiment où on est, quoi. Et l'autre porte, en fait, ça emmène au même endroit, mais c'est juste que c'est un autre couloir. Mais c'est exactement pareil, hein. C'est vous faites comme vous voulez, en fait. C'est juste pour montrer un petit peu que c'est, voilà, c'est des rues, on peut les arpenter un peu comme on veut, quoi. Là normalement on voit c'est lié, hein. Ouais, donc vous voyez, soit on arrive là, soit on arrive là, au choix. Mais ça nous emmène au même endroit, hein. Vous loupez rien de spécial. Donc ici, par contre, il va y avoir du monde. Non, t'as pas envie de t'ouvrir, ok. Juste parce que je viens pas de l'autre porte, ça veut pas s'ouvrir. C'est original, ça. Bon, on va faire un truc tout simple, on va ouvrir cette porte, on va revenir et ça va s'ouvrir, je pense. Ça, c'est marrant, je savais pas que dans l'autre sens, ça s'ouvrait pas, en fait. C'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude d'y jouer en mode facile, faut savoir que ça fait un moment que j'y ai pas joué. La dernière fois que j'y ai vraiment joué, mais quand je dis vraiment, c'est jusqu'au bug que je vous avais expliqué, hein, après qu'on ait utilisé Carlos et tout. J'avais joué jusque là-bas, ça doit faire au moins un an et demi, c'est pas plus. Ah voilà. Donc là on voit un survivant qui s'est barré, on sait pas qui c'est. Et depuis, oui, je l'ai pas refait entièrement, donc ça fait un moment que j'y ai pas touché, en fait. En sachant qu'en plus, sur émulateur, j'ai jamais terminé le jeu entièrement sur émulateur, donc je sais même pas s'il y a des bugs à partir d'un moment ou un autre.
Parce que j'ai entendu qu'il y avait soi-disant une protection anti-copie, mais moi, la version que j'ai téléchargée au cas où, c'est une version patchée contre ça, normalement. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Parce que si je suis bloqué dans le jeu à partir d'un moment, ça sera un petit peu gênant. Vous doutez bien. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas, quoi. Bon, il en reste combien, là? Un petit dernier pour la route. Donc vous voyez que les zombies sont déjà plus nombreux, là. C'est assez violent. Petite remarque aussi, je sais pas si vous avez fait attention, mais le pistolet, c'est un Samurai Edge. Le fameux Samurai Edge qu'on recroisera évidemment dans le remake. Parce que dans l'épisode original, c'était juste un Beretta, qui était peut-être modifié, mais il disait pas que c'était le Samurai Edge. Que là, on voit vraiment le Samurai Edge, quoi. C'est un Beretta 92, mais custom, quoi. Comme c'est marqué, d'ailleurs. Je répète ce qui est marqué. Et on a le petit logo des stars sur la crosse. On voit pas trop, mais le petit rond bleu avec les étoiles à l'intérieur, c'est le logo des stars, quoi. Allez, voilà pour le petit détail. C'est quoi ce bruit? Il y en a un qui est encore vivant? D'accord. Ou c'est peut-être en bas, je sais pas. Ah, voilà. Je veux dire, il y a du bruit, mais il y a personne. Il y a un petit souci, quoi. À moins que c'est les cadavres qui ont envie de faire du bruit, mais ça sera un petit peu étrange, quoi. Alors, ici, on va récupérer de l'essence à briquet pour un fameux Zippo, apparemment. Je sais plus qui c'est qui m'avait expliqué, d'ailleurs. C'est dans Resident Evil 0, je crois. Parce que moi, je savais même pas qu'il y avait des briquets à essence, en fait. Et apparemment, je crois, les briquets à essence, on appelle ça des Zippo. Je sais plus qui c'est qui me l'avait dit en commentaire. Mais ouais, moi je croyais que c'était toujours à gaz, quoi. J'avais pas. Je pensais pas que ça existait en fait à essence. Donc voilà, voilà. Il y avait juste ça à récupérer, donc le fameux fusil à pompe. Et celui-ci, évidemment, on aura le droit de s'en servir. Et donc on va continuer vers cette ruelle. Donc on a vu un civil apparemment qui s'est barré, mais on ne sait pas qui c'est pour l'instant, mais on va vite le savoir. Parce qu'on va leur croiser assez rapidement, je dirais. Donc là, c'est tout, je crois. Allez, allons-y. Alors, ici, je crois qu'il va y avoir du monde, ici. Ouais, déjà, il y a un bonhomme là. Allez, reste à terre. Ah oui, alors ici, c'est un peu la merde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les esquiver. Ça sert à rien de les tuer, ceux-là. Enfin, je vais éviter de les tuer, parce que c'est un peu... Je suis pas en manque de munitions, parce que là, j'en ai pas mal, mais... Mais voilà, quoi. C'est bof bof à tuer. Donc là, je sais pas si vous avez entendu, parce que je parle en même temps, mais il y a un mec qui a gueulé de souffrance. On imagine qu'il s'est fait tuer. Hop, on récupère une carte. Donc on voit qu'apparemment il y a un bar. C'est bon à savoir si on veut se bourrer la gueule dans ce genre de cas. Et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est en haut, il y a deux petites plantes vertes. Qu'on va éviter de combiner d'ailleurs, mais niveau place, ouais ça va, il m'en reste un peu. Parce que ça va être chaud niveau place. Hein. Parce qu'en fait dans ce jeu là, on va se prendre facilement des dégâts en fait. Par un certain monstre que vous savez déjà, puisque ça porte bien son nom, hein, ça s'appelle Resident Evil 3 Nemesis, donc voilà, et donc du coup, ils ont tendance à être plus généreux en herbe rouge dans ce jeu-là. Sauf que pour utiliser les herbes rouges, comme vous le savez, il faut des herbes vertes au préalable. C'est pour ça que je vais éviter de combiner les herbes vertes entre elles, sinon je pourrais pas combiner avec les herbes rouges. Ce sera un peu le bordel pour moi, quoi. Donc ça, faut le savoir. Donc là, on voit que le survivant, il se fait la malle. On sait pas trop pourquoi. Hop, hop, hop. Toi, tu me touches pas. Ici, il y a un autre accès, normalement. Enfin, il y en a même plusieurs, mais je regarde la map. Voilà. Donc en fait, cette porte-là, elle était déjà accessible de l'autre côté. Enfin, elle était visible plutôt, mais on pouvait pas l'ouvrir parce qu'elle était verrouillée, en fait. Donc voilà, là, je l'ai déverrouillée.
Et ça sera l'accès suivant après. Donc, on va aller voir le survivant d'abord. Oh merde, putain. J'aurais pas cru qu'il était là, lui. Oh merde, putain. Ouais, ils sont tous là. On va les flinguer, parce que sinon, ça va me jouer des tours, ces conneries. Comme ça, au moins, je serai tranquille pour après. Alors, toi, tu fais semblant d'être mort, déjà. Si t'as cru que je t'avais pas vu... C'est dommage pour toi. Donc là, c'est bon. Alors, ensuite... On recharge tout ça. Hop, voilà. Donc, normalement, je crois que là, c'est... Il y aura une cinématique, si j'ai pas de conneries. Get away! Voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait il s'agit de Brad Vickers, et oui, l'un des membres des Stars. Donc moi je m'en tape, en fait je le défends pas tout simplement parce que c'est scripté, donc ça sert à rien de tuer les zombies, hein, il peut très bien le faire tout seul. Donc carte postale du Beffroi. Une carte postale représentant un Beffroi. Au dos, on peut lire ces quelques mots, un site touristique, le Beffroi de Saint-Michel. Alors c'est pas pour rien qu'on trouve une carte postale de ce lieu-là, puisqu'on va devoir s'y rendre plus tard. Donc moi je laisse le buter, hein. Chacun sa merde on va dire. Je récupère mes petites babales. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Voilà, donc Brad est en train de nous expliquer qu'apparemment il y aurait un quelque chose qui est venu pour éliminer les membres du STARS. Sauf qu'on sait pas qui c'est, mais là on commence à se dire, ah ouais, en plus de l'épidémie, il y a des gens qui veulent nous buter, nous, quoi. Donc on sait pas trop pourquoi. Mais bon, la question n'est pas là, c'est surtout de maîtriser la personne qui veut nous tuer. Ouais, donc là j'ai un petit souci, parce qu'en fait on peut combiner des balles de flingue, mais que sur 250. Et du coup, là, il reste 14 balles qui font chier. Là, la li, la lou. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je vais vider des balles. Parce que si j'utilise un soin, ça m'embête un peu quand même. Je veux vraiment les garder pour les phases où j'en aurai réellement besoin, quoi. Parce que c'est pas comme les autres RE où on peut fuir des zones. C'est que. Bah, là, on peut le faire aussi hein, contre les zombies, évidemment. Mais si j'ai dit que j'allais combattre tout en Némésis, je vais pas pouvoir le fuir, c'est logique. Donc c'est pour ça, faut quand même que je garde mes soins, qui vont être tout simplement primordiaux contre lui, quoi. Si je veux y arriver, j'aurai pas trop le choix. Voilà, donc là on va faire du vide, puisque, hop, le briquet en fait il est vide, et maintenant il l'est plus, tout simplement. Vali voilou, donc c'est bon, et on va pouvoir y aller. Donc là, du coup, on retourne sur le devant du bar. Donc il y a toujours les ennemis. Oula, putain, merde, putain, il était direct là, lui. Il a pas eu le temps de me bouffer, je crois, en fait, vu que j'ai appuyé vite, vite fait, ça va. Alors ici, il y a une autre porte, là. Mais elle est fermée, en fait. Et ici, il faut savoir qu'en fait, c'est là où il y a... Putain, mais ils sont tous rassemblés, là. C'est là où il y a les costumes bonus, mais évidemment on peut pas y accéder puisqu'il faut la clé hein, au préalable. Donc là je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un mec qui s'était fait attaquer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et elle était mort par terre, sauf que depuis bah, il s'est transformé en zombie, s'est réveillé, et puis il rejoint toute la troupe des autres. Quoi. Donc c'est assez intéressant ce petit détail là. Donc on a vu qu'il s'est transformé assez vite hein, quand même, en quelques minutes j'ai envie de dire.
Alors. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir aller là-bas. Et les choses sérieuses vont commencer. Sauf que nous, on va pas tarder à s'arrêter là, c'est ça le plus drôle. Ouais, puisqu'on est déjà à 40 minutes. Donc ouais, j'aurai pas le temps de faire ce que je pense. Enfin, remarque, est-ce que je vais avoir le temps? Ouais, non, ça va être trop juste. Donc je vais sûrement m'arrêter avant. Donc là, ça va péter. Alors on voit que voilà, il y a une porte, mais la corde est solide et ne cédera pas. La corde semble être recouverte d'essence, comme par hasard. Et là, comme par hasard aussi, il y a du monde qui veut nous agresser. Donc nous, on crame la corde et on va faire un truc tout simple. Comme vous voyez, il y a un joli bidon. Il y a plein de zombies d'ailleurs. Je sais pas combien ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si j'ai pas de conneries, il doit y avoir 8 zombies. Voilà. Et on fait tout péter. Merde, je voulais partir moi, hop. Fait chier qu'il m'ait chopé. Alors je fais ça parce qu'en fait normalement... Je sais plus s'ils disparaissent, mais je crois que ça les réinitialise à leur position d'origine, je crois. Et du coup ça va me foutre un peu la paix quoi. Ouais non c'est bon, ils disparaissent, donc c'est mieux. C'est parfait. Remarque, non, j'entends des bruits suspects, là. Ils ont peut-être pas disparu, en fait. J'ai peut-être parlé trop vite. Ouais, je crois que je vois des jambes au loin, là. Et bon, disons que ça réinitialise, ça fait pas chier, quoi. Ça évite de les attaquer. Donc, les deux premières herbes rouges, qu'on va gentiment associer. Donc, comme ça, on a déjà 200 complets. Et ici, il y a une petite photo à récupérer. La photo A. Donc les policiers en action, donc on voit les... c'est les flics d'élite, hein. Ils ont des espèces de tenues spéciales, genre le SWAT quoi. C'est daté du 27 septembre, voilà. Donc c'est bon, hop, on peut s'en aller. Donc les zombies, on s'en tape, hein. On leur dit au revoir. Et puis c'est tout. Alors, ici, donc du coup, hop. On voit que ça crame bien, donc ce passage là on va pas pouvoir y passer pour l'instant. Puisque comme vous avez remarqué, c'est un peu en feu. Mais le problème c'est que le feu n'empêche pas les chiens d'y aller. Et eux s'en battent les couilles du feu. Que Jill elle évidemment elle a pas trop envie de traverser les flammes. Donc je vais d'abord neutraliser les chiens avant de continuer. Oula, c'est à la limite le temps que je recharge. Voilà. Donc il y en a avec deux, c'est déjà pas mal on va dire. Donc on voit hein, là qu'il y a de l'eau qui coule. Donc c'est sympa parce qu'il y a des petites animations, on voit les petites gouttes, c'est intéressant quand même. Donc voilà, c'est une bouche d'incendie avec une lance à incendie écrit en vert. Je pourrais peut-être éteindre le feu là-bas. Sauf que évidemment, avant toute chose, il faudrait trouver la lance à incendie. Donc pour l'instant, on s'en passe. Et ici, on va accéder à notre deuxième salle. Ouais, j'allais dire save room, mais j'avais mélangé français et anglais, quoi. La deuxième salle de sauvegarde, pardon, je vais y arriver. Donc voilà. Donc là, on récupère du rouge et du jaune. Donc ça tombe bien. Hop. Voilà. Alors, on va mélanger tout ça. Je vais déposer tout ça déjà. Hop. Enfin, remarque, si je dépose tout, peut-être pas. Bon, ça, on dépose, déjà. Ouais, je pense que je vais rester comme ça, parce qu'il me faudra du soin pour après. Hop. Et on va combiner les deux pour faire de la poudre C pour plus tard. Et on va l'utiliser, enfin, l'associer avec le kit de munitions pour créer des balles, voilà. Voilà, donc des petites grenades pour plus tard. Donc ça fait quand même 20 grenades, hein, c'est pas rien. Et la prochaine fois, je ferai du magnum. Alors pourquoi j'ai pas fait du magnum tout court? Enfin, techniquement, je peux pas en faire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi j'ai pas gardé pour faire des munitions de magnum? C'est qu'en fait, faut savoir que le magnum, soit on le trouve en premier, ou soit on trouve le lance-grenade en premier. Et étant donné que j'ai pas forcément de la chance... Je sens le lance-grenade venir en premier. C'est pour ça que j'ai fait des munitions de lance-grenade, quoi. Parce que
que Magnum, déjà, faut avoir 3 poudres C avant, donc faut s'accrocher. Et du coup, je préfère la jouer comme ça. Je me dis, au cas où, j'aurai des munitions de grenade. Et puis au pire, bah, munitions de Magnum, c'est pas grave. J'en aurai plus tard. Donc je vais sauvegarder. Donc ça, ça devait être la sauvegarde test que j'ai fait hier, quand j'ai joué en mode difficile, je pense. Ouais, je pense, ouais, parce que là, c'est écran en bleu, alors qu'en blanc, c'est difficile. Donc voilà, on a sauvegardé. Donc bah écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Bon, on n'a pas avancé énormément, mais bon, comme d'habitude, hein, quand je commence à Wakfu, j'essaye de dire tout ce que je pense, déjà. Puis après, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, quoi, on va dire. Donc n'hésitez pas à commenter, puis bah moi je vous dis à la prochaine pour le chapitre 2 de Resident Evil 3 Nemesis. Allez, à plus.